Et comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse l'État de Guinée, depuis son existence, de ne pas assez faire la promotion des droits humains. J'accuse de ne pas, depuis toujours, considérer et faire considérer que l'être humain est sacré. J'accuse l'État de mon pays de ne pas assez faire respecter l'homme, sa liberté et sa dignité. J'accuse la justice de mon pays d'avoir été si défaillante pour aller jusqu'à renvoyer sans motif convaincant César Raphaël Habat et lui faire subir injustement 14 ans de privation de liberté. J'accuse le fonctionnement de notre justice qui permet qu'un homme contre qui on n'a aucun élément de preuve se retrouve séparé de sa famille pendant 14 ans. J'accuse notre système judiciaire qui permet de déposer une personne en prison sur la base de simples déclaration d'une personne qui n'était même pas sur les lieux des infractions. J'accuse la légèreté de notre justice, qui, pour qui la détention semble encore être le principe et la liberté l'exception. J'accuse notre justice d'être inhumaine. Oui, je l'accuse d'avoir traité César Raphaël Habat comme moins qu'un humain. Ce que je sais, c'est que César Raphaël Habat est innocent. Ce que je dis, c'est que César Raphaël Habat est innocent. Ce sur quoi j'insiste, c'est que César Raphaël Habat est innocent. Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dont je vous invite à la partager au maximum. On va parler du procès des massacres du 28 septembre 2009 et précisément la plaidoirie de l'avocat de César Raphaël Habat. Comme vous le savez, César Raphaël Habat, moi, je suis sûr qu'il va être libéré. César Raphaël Habat, il est innocent. Et pourquoi j'ai dit cela? César Raphaël Habat, il est innocent parce que il n'y a aucune preuve qui démontre que ce dernier a été au stade du 28 septembre 2009. Il a été accusé au débat et même témoigné par son chef qui est le commandant Toumba Diakité. Le jour du 28 septembre, la veille d'abord, César Raphaël Habat, il a pris une permission au commandant Toumba Diakité pour aller auprès de sa femme qui est malade, qui était enceinte et qui était hospitalisée dans une clinique de la place. Et César Raphaël Habat, il était à côté de sa femme quand les événements du 28 septembre passé. Alors, on se demande tous pourquoi ce dernier est toujours en prison depuis 14 ans. Imaginez, depuis 14 ans, il est en prison. Pour faute des magistrats. Pour faute de notre justice. Tout d'abord, comment César s'est retrouvé en prison? Commençons d'abord les événements du 3 décembre. César a été arrêté après une tentative d'assassinat contre le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était à l'époque le président de la transition, par son aide de camp Toumba Diakité. Toumba Diakité, César, il est le garde-corps de ce dernier. Alors, il était le témoin oculaire de ce qui s'est passé le 3 décembre. Quand les événements se sont passé, Toumba a quitté le pays. On ne sait pas en ce moment s'il a quitté le pays, mais en tout cas, César, lui, il a été arrêté sur le champ. En ce moment, Toumba avait déjà éliminé Makambo et tiré sur capitaine Moussa Dadis Camara, et qui était aussi entre la vie et la mort. Alors, c'est dans ce contexte que César a été arrêté et envoyé aux 32 escaliers. Vous avez beaucoup entendu parler de 32 escaliers. 32 escaliers, c'est un lieu de détention, mais aussi un lieu de torture. Car beaucoup de personnes, même certains manifestants, ont parlé de ce lieu. C'est un lieu dont on torturait beaucoup les détenus. Alors, grâce au colonel Pivi, en tout cas, quand César est passé à la barre, il dit c'est grâce au colonel Pivi qu'il a eu la vie chauve.
car tous les gens qui ont été arrêtés avec lui ont trouvé la mort aux 32 escaliers. Et lui-même, il était même, on était même prêt à l'éliminer. Mais grâce à l'intervention du colonel Pivi, il a eu la vie sauve. Vous avez tous vu, quand il y a eu les événements du 3 décembre, tout le monde a vu ces images qui circulaient sur les réseaux sociaux. Ces images où on voit Bégré, qui est le commandant du camp Koundara. On a tous vu comment il était attaché. Et il n'était pas seul. Ils étaient au nombre de trois, mais il y a même une femme parmi leur groupe. Alors, quand Pivi a intervenu pour Cécé, c'est là où Cécé va se retrouver à la maison centrale. Mais ce qui est incroyable dans son histoire, ce qui est vraiment incroyable dans l'histoire de Cécé, ce dernier étant en prison, pensait toujours qu'il était là à cause des événements du 3 décembre, quand il y a eu tentative d'assassinat contre le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est par après tant d'années d'emprisonnement qu'on lui fait savoir qu'il est en prison à cause des événements du 28 septembre. Incroyable, mais vrai. Et quelle justice. Quelle justice. Et la famille, depuis ces jours, jusqu'à aujourd'hui, Cécé, il croupit en prison. Moi, j'ai dit, il est innocent. Parce que même son chef, qui est Toumba Diakité, a dit à la barre que Cécé, c'est une bonne personne. Et le jour du 28 septembre, Cécé n'était pas avec lui. Que Cécé était auprès de sa femme, que lui-même, il lui a donné l'argent quand Cécé a pris la permission qu'il partait à côté de sa femme qui est malade. Alors, pourquoi ce dernier a fait 14 ans de prison? Pourquoi? Et je tiens à vous signaler qu'il est le premier accusé des événements du 28 septembre à être en prison. Son second, c'est Marcel Guilavogui. Mais lui, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, en tout cas de ces massacres du 28 septembre. Il n'y a eu aucun accusé qui est venu à la barre pour parler de Cécé Raphaël Habat. Le gars, il est juste victime parce que il est proche de Toumba Diakité. Et à l'époque, on avait vu la charge contre tous les proches de Toumba Diakité. On avait vu ça quand l'autre a été assassiné, Makambo, et il y a eu tentative d'assassinat contre le capitaine Moussa Dadis Camara. On a vu même des proches de Toumba restés dans cette affaire ont été massacrés. Alors, la plaidoirie de l'avocat de Cécé était vraiment incroyable. Il va révéler les choses, vraiment des choses incroyables. Et il va pas faire cadeau aussi à la justice guinéenne. Alors, la famille, je tiens à vous dire de regarder cette vidéo. De la regarder. Regardez la plaidoirie de l'avocat de Cécé. Vous allez comprendre qu'il est vraiment là pour sauver son client. Et c'est pour ça que j'ai la conviction
que ce dernier va être innocenté dans cette affaire. Alors la famille suivait. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'homme, c'est ce Raphaël là-bas, qui incarne l'humilité, comme je l'ai dit, et la simplicité poussée à l'extrême, est un homme de devoir, honnête. Ce n'est pas parce que c'est mon client, mais tout le monde le dit, même dans l'armée, partout où il est passé, à la maison centrale, vous pouvez demander à tous les gardes pénitentiaires. C'est un homme qui entretient et qui cultive l'amour du prochain. L'amour de son prochain, c'est vraiment la devise de Cécile Raphaël Habat. C'est un homme de valeur. En tout cas, ceux qui le connaissent vous en diront plus. Et Cécile Raphaël Habat fait sienne cette parole de Paul de Tarse qui dit: vous pouvez posséder des richesses ou avoir une position élevée dans la société, ou un pouvoir ou une autorité considérable. Mais si vous n'avez pas d'amour pour les autres, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir de l'argent, du pouvoir et tout, mais si vous n'aimez pas les autres, vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. D'abord, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes rien. C'est vos valeurs qui ont, c'est votre richesse, vos maisons, vos voitures qui ont de la valeur, mais vous n'êtes rien. Mais si, comme c'est Raphaël là-bas, vous êtes un petit dans la société, un moins gradé, et que vous aimez les autres, vous les respectez, vous avez de la considération pour eux, alors vous êtes un grand homme, un homme avec un grand H. Malheureusement, la société préfère voir ceux qui ont des moyens et les placer devant, et ceux qui ont un grand cœur les ignorer, très malheureusement. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. C'est ça, Raphaël là-bas a été recruté, et d'abord il est né, pour vous le présenter, à Beila. Il a fait ses écoles, son école primaire, secondaire, tout ça. Je passe tous ces détails. Mais en 2002, il va intégrer l'armée guinéenne. Enfin, oui, intégrer l'armée guinéenne le 1er mars 2002. Et cela s'est passé à Lola, et il viendra à Kindia. À Kindia, il va suivre une formation et sera soumis à un test pour et sera admis à l'artillerie du camp Alpha Yaya Diallo. Et il va suivre une autre formation de spécialisation solaire en 2003. Et il est nommé comme porteur d'armes lourdes, sol-sol, et suivre aussi une formation CT1 accompagnée d'une attestation. Et donc, c'est lors des revendications d'augmentation des soldes, appelées à l'époque l'affaire du bulletin rouge, dont vous vous rappelez certainement, eh bien, qui va faire la rencontre avec le président Moussa Dadis Camara et également Pivi, qu'il connaissait avant. Mais ils se sont rencontrés au camp Samori Touré. Alors, il a. Le capitaine Dadis, le capitaine Marcel, pardon, et Toumba Diakité sont venus le rencontrer pour aller le présenter au président Moussa Dadis Camara à son domicile à Lambagny. Eh bien, pourquoi? Parce que Marcel avait eu une opportunité d'aller faire ses études à l'extérieur, en Russie, je crois, en URSS. Et donc, il devait prendre la place de Marcel. Et donc, mais avant cela, tout le souci de CC, c'était vraiment de quitter Conakry. CC n'est pas un homme qui aime l'ambiance, si on peut dire comme ça, qui aime le bruit. Il voulait aller à l'intérieur. Il voulait être affecté à l'intérieur. Et tout était prêt pour qu'il soit affecté à l'intérieur, loin de Conakry. C'est un homme qui aime la paix, qui aime la tranquillité. Il ne parle même pas beaucoup. C'est ça son environnement. Donc il voulait s'éloigner
de Conakry. Mais le président Dadis l'a demandé de rester auprès de Toumba. Voilà. Et donc, il est devenu garde-corps de Toumba. Mais comme c'est un homme comme il est, vous voyez, les relations Toumba-Cessé, c'est vraiment une grande relation, une relation de confiance incroyable. Incroyable. Et vous savez, on vous l'a dit, Toumba est allé jusqu'à lui confier tous ses téléphones. Je ne sais pas si vous le faites avec vos chauffeurs et autres, mais il l'a fait. Il a donné à Cessé ses clés de chambre. Il a même la nourriture qu'il mange, Cessé prépare. Si vous avez une confiance aveugle pour quelqu'un, c'est cela. Mais c'est le comportement de Cessé qui amène Toumba à avoir confiance en lui. Parfois, vous pouvez être l'homme le plus honnête de Guinée et vous retrouver à la maison centrale, malgré vous, et faire 14 ans. Vous pouvez être l'homme de devoir, l'homme qui, vraiment, toute sa vie, a tout fait pour respecter les règles, la discipline, mais vous retrouvez à la maison centrale par la faute des juges. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, puisqu'il est resté à Conakry, le 27 septembre 2009, il part à l'abbé avec la délégation présidentielle. Ils n'étaient pas dans la même voiture que Toumba, mais pour une fois, ils étaient ensemble quand même. Mais tout son souci, le 27, tout le souci de Cessé Raphaël Habba, c'était par rapport à son épouse, qui avait des problèmes de santé, en grossesse, mais en difficulté. Il était mal à l'aise, le 27, à l'abbé. Comment rejoindre mon épouse pour l'accompagner à l'hôpital? Tout son souci, c'était ça. Alors, les gens peuvent être étonnés. Pendant les débats même, certains avocats, en posant des questions, étaient étonnés qu'ils préfèrent aller auprès de son épouse plutôt de continuer à travailler. Mais quand même, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des hommes qui savent, qui sont responsables de famille et qui ils ont un rôle d'époux à accomplir. Il aime son épouse. Il veut être aux côtés de son épouse, quel que soit. Alors, quand il retourne de l'abbé, son problème c'était, mais comment je vais demander à Toumba la permission d'aller vers mon épouse? Parce que il a peur que Toumba, il respecte beaucoup son supérieur, refuse ou en tout cas dise autre chose. Parce qu'ils sont collés, si on peut dire. Hein, ton pied, mon pied, si on peut dire comme ça. Mais ce jour-là, en avançant pour aller vers Toumba, il était content. Content parce qu'entre-temps, il avait appris que ce jour était férié. Il s'est dit, ah, si le 28 est férié, j'ai une chance que Toumba puisse accepter de me laisser partir. Il le trouve couché. Et ça encore, ça l'a encore donné plus de courage. Alors il demande à Toumba la permission. Et Toumba lui dit, ah, Cessé, on va se reposer aujourd'hui, vraiment. Voilà, donc tu peux aller. Il lui prend, il prend 400 000 parce qu'on connaît tous la générosité de Toumba. Il prend 400 000 francs guinéens et il lui remet pour contribution pour son épouse. Et c'est ainsi que Cessé s'en va à la clinique, à chez lui, et après il envoie sa femme à la clinique. Et pendant 2 jours, ils font fête de va-et-vient, maison clinique. Donc, pendant ce temps, le 28 septembre avait cours. Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est en prison qu'il va avoir les détails de tout ce qui s'est passé. Parce que Marcel va lui raconter un peu, voilà, les choses. Alors, son épouse, malgré toutes les difficultés, va enfanter une fille qui, à l'âge du massacre du 28 septembre 2009. Sa femme, qui était tellement faible,
Eh bien, Cécile Raphaël va la confier à sa mère et il va reprendre le travail. Bon, et puis vient le 3 décembre, le 3 décembre 2009, avec l'épisode de la tentative d'assassinat du président Dalice. Cécile est un incompris. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cet événement. Mais ce qui est sûr, Cécile, c'est quelqu'un de sincère. Toumba l'a dit pendant les débats. Je crois qu'on lui a posé une question, je ne sais plus laquelle, mais il a dit non, Cécile, vraiment, il est sincère. Et je crois ce qu'il dit quand il dit qu'il a contribué à sauver le président Moussa Dadis Camara. Alors que ceux qui étaient autour se lamentaient, pleuraient, se lamentaient. Mais Cécile a dit, mais vous pleurez tout ça, mais en emmenant le président. Et c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé pour le sauver. Mais au lieu de récolter les fruits de ce héroïsme, de son bienfait, Cécile sera renié par sa communauté. Quand je vous dis que son histoire fait pitié, c'est ça. C'est qu'il sera plutôt pourchassé, traqué. Le but était de l'éliminer, de le tuer, carrément. Il aurait donné, on l'a dit, le secret de Makambo à Toumba. Et c'est ce qui a permis à Toumba de vaincre Makambo et de tirer sur le président. Et donc, si le pouvoir du CNDD a été perdu, c'est quelque part à cause de ce Séraphin là-bas. Donc, sa communauté, dans tout ça, ne lui pardonne pas ça. Et il est haï. Il est donc haï. Il a été recherché, arrêté. Il sera même torturé au camp. Arrêté et séquestré, si on peut dire comme ça, parce que ce n'est pas une arrestation légale, séquestré aux 32 escaliers. Je ne vous dis pas ce qu'il a subi. Il y a des âmes sensibles. Mais il a fallu pivoter, heureusement. Comme on dit, Dieu est toujours éveillé. Pivoter va demander à ce qu'il sorte de là et qu'on le remette à la justice. La justice va statuer sur son cas. Pour un militaire, à l'époque, c'était la bonne attitude. Mais on ne peut pas effacer les menaces qu'il a subies, les injures. Son épouse sera injuriée. C'est l'épouse d'un traître. Plus personne ne lui adresse la parole, même dans le quartier. Isolée. Elle sera même enlevée pour qu'elle dénonce où se trouve, enfin avant qu'il soit arrêté, où se trouve son mari. Mais cette dame, bon, elle a subi ça, mais bon, c'était le sort de l'épouse de quelqu'un qui était recherché comme Cécile Raphaël là-bas. Alors, voyez un peu, dans la recherche de Cécile, ne le trouvant pas chez lui, on a tout saccagé, tout détruit. On a volé ce qu'on a pu voler, mais on a tout saccagé. Voilà ce que cet homme a subi de grave. Il a échappé à la mort, mais il a... Dieu merci. Mais son calvaire n'est pas fini. C'est la justice maintenant qui va s'en prendre à Cécile, qui va mettre la main et s'acharner sur lui. Il sera poursuivi pour tentative d'assassinat du président Dadis. Ce qui est normal, tous ceux qui étaient là peuvent être poursuivis, ce n'est pas un problème. Il sera emprisonné à la maison centrale. Mais
Après enquête et instruction, sa liberté sera ordonnée. Ceci, Raphaël Rabat croit qu'il va sortir. Il a l'ordre de mise en liberté du procureur général. Il s'apprête à sortir quand on lui dit « Ah, tu es poursuivi pour le 28 septembre. » Alors, il tombe des nues parce qu'il ne comprend pas. 28 septembre? Moi, j'étais à la clinique. 28 septembre? Mais on lui dit « Tu restes en prison, tu ne sors pas. » C'était le premier poursuivi du 28 septembre. Le premier arrêté du 28 septembre. Alors, pour quelqu'un qui n'était même pas au stade, vraiment. Alors, je vous laisse imaginer le moral de CC. Alors, pourquoi CC est renvoyé? Qu'est-ce qui est reproché à CC? Eh bien, je vais vous dire. 14 infractions. 14 infractions en une demi-journée. Il faut le faire. Hein? Je crois que son nom mérite d'être... infractions. C'est le parquet qui l'a sollicité, qui a requis comme ça. Et le poule a entériné. En une demi-journée. Alors, je disais que son nom mérite d'être inscrit au livre des records, au livre Guinness des records. Parce que 14 infractions seules en une demi-journée, vous violez, vous tuez, vous... agression sexuelle et tout ce qui... et tout ça. C'est quand même extraordinaire. Je disais que... Et puis, vraiment, CC n'a pas de chance. Il y a eu 3 personnes qui ont obtenu la permission de sa santé, qui étaient dans le salon présidentiel, du salon du président. Il y a eu Alpha Oumar Baldé. Il y a eu Dustin. Dustin est parti à Bokeh auprès de sa mère. Alpha Oumar Baldé était parti en forêt, à Kizdougou, à Gekedou, parce qu'il avait une affaire judiciaire. CC était à la clinique. Mais tous les 3, bizarrement, c'est CC seul qui est arrêté. Et c'est CC qui fait la prison. C'est la malchance, sa vie, c'est quand même incroyable, extraordinaire. Mais les autres, Alpha Oumar, bon. Il a été libéré, je crois qu'il a été arrêté puis libéré. Parce que je crois que lui, il a dit qu'il n'était pas là, il était en forêt, et donc on l'a libéré. Mais c'est ce seul a été retenu, gardé en prison. Vous voyez un peu que la justice s'acharne sur CC. Sur quoi repose le renvoi de CC, Raphaël Rabat? L'ordonnance de renvoi dit que, étant donné que Mamadou Alpha Baldé, secrétaire de Toumba, a déclaré que CC Raphaël Rabat était au stade, hein, étant donné que Mamadou Alpha Baldé a cité CC Raphaël Rabat comme étant au stade et bien d'autres, ce dernier est renvoyé devant le tribunal criminel pour y être jugé. Si je demandais à mes étudiants de me commenter cette ordonnance de renvoi, ils vont me dire, mais monsieur, est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un parce qu'il était au stade, simplement? On dit qu'il était au stade, donc il est renvoyé. Si ce n'est pas parce qu'il y avait des victimes dans l'affaire, ça prêterait vraiment à rire. Monsieur le Président,
À supposer même qu'il était au stade, à supposer. Mais tout le monde peut être au stade. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait au stade? Exactement. Matériellement, rien n'est reproché à CC. Assassinat, bon, mais il faut démontrer. Meurtre, il faut démontrer. Injure, il faut démontrer. Viol, il faut démontrer. Aucune démonstration, aucune. On dit qu'il était au stade. Parce qu'il y a eu ça là-bas. Et donc, puisqu'il était là-bas, donc il a commis. Donc il a commis. Vraiment, c'est la face sombre de notre justice. Ça, la machine judiciaire est parfois cruelle. Quand elle ne veut pas voir, quand elle ne veut pas réfléchir, quand elle ne veut pas instruire, quand elle ne veut pas enquêter, quand elle ne veut pas savoir, la machine vous broie, tout simplement, et c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi, quand on dit empereur des poursuites, je souhaite qu'en Guinée, il n'y ait pas des empereurs de poursuites, franchement. Parce que l'empereur de poursuites, c'est un dictateur de la poursuite. Je souhaite qu'il n'y ait que des autorités de la poursuite. Empereur de poursuites, pourquoi? Bon, on entend ça comme ça, comme ça. Mais ça peut monter à la tête de nos magistrats qui peuvent se comporter effectivement comme des dictateurs. Ils sont empereurs. Non. Vous êtes autorité. Alors, mais voyez-vous, on renvoie CC parce que celui qui le dénonce, Alpha Oumar Baldé, a dit, a parlé. Mais, soyons sérieux. Alpha Oumar n'était pas là, il était à Kizdougou, à Guéquédou. Il a même produit, je crois, au dossier certains actes judiciaires. Je crois même un témoignage du greffier ou du juge du tribunal des lieux. Alors, l'homme n'est pas un chien. Le cas de Cécile Raphaël là-bas n'a pas été examiné. On n'a même pas pris le soin d'appeler, je ne parle pas du ministère public ici, mais on n'a même pas pris le soin d'appeler ou d'interroger le médecin qui était là, parce que lui, au moins, il aurait pu dire, oui, Cécile était là. Mais on ne l'a même pas appelé. Franchement, on est devant quelle justice? C'est quand même incroyable. Mais en réalité, vous savez, j'ai compris un peu pourquoi il a été arrêté et incarcéré. Parce qu'il était l'homme, le garde-corps de l'homme le plus recherché à l'époque. Et donc, ça suffit. Ça suffit pour en faire un coupable. On s'est dit, non, c'est son garde-corps, il ne peut pas faire des choses sans son garde-corps. C'est ça, c'est tout. Mais ça, c'est la présomption de culpabilité. C'est la présomption de culpabilité. Mais tout le monde dit, et nos textes avec, faites application du principe de la présomption d'innocence. La présomption de culpabilité vous amène vers des erreurs judiciaires. Absolument. Platon disait que le plus grand des maux est de commettre l'injustice. On ne traite pas un humain de cette façon. Par respect pour la personne, il faut vraiment démontrer les faits. Parce que c'est une personne humaine, ce n'est pas un chien qui est devant vous. Et donc, parce que c'est une personne humaine, on prend le temps de vérifier, de fouiller. Quand on lui colle une infraction, on le démontre. On le démontre. Vraiment, on le démontre. Mais comme ça, bon, il y a eu des crimes au stade. Bon, il était au stade, donc voilà. Mais même au stade, tous ceux qui sont là-bas n'ont pas commis des crimes. Je veux dire, on a vu de ceux qui étaient à l'intérieur là, dire à certains, passez par là, ne passez pas par là.
On ne traite pas un humain de cette façon. L'instruction de débarras, parce qu'on s'est débarrassé. Je disais, le juge de la CPI, vous savez que le procès a duré pour Blégoudé et tous les autres d'ailleurs, et tous les autres procès de la CPI durent parce que, à cause de la montagne de documents qu'il y a, la montagne de dossiers. Mais là, l'arrêt de renvoi, je ne sais pas, ça fait combien de pages? Ben, je sais que ça ne peut pas, ça n'arrive peut-être pas à 50. Hein? Ah, ça c'est hein? Pour combien d'accusés? Vous avez un arrêt de renvoi si petit comme ça, c'est un débarras, c'est du débarras. Mais comment on peut accuser des gens? Comment on peut même hein, aussi avec une telle légèreté? Et dire qu'on a mis des années, le poule. Il faut prendre des précautions lorsqu'il s'agit d'un être humain. La charte de la transition actuelle proclame que l'être humain est sacré. L'être humain est sacré. Je vous rappelle que ce qui est sacré pour nous, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est Dieu. Mais la charte de la transition dit que l'être humain est sacré. Elle le met au même niveau que le Coran, que la Bible et que Dieu. C'est vous dire que quand une personne est poursuivie, eh bien, c'est un peu ça. Il faut lui accorder tout le respect. Mais le respecter, c'est pas de ne pas l'inculper, c'est pas le poursuivre, c'est pas le mettre en prison. Non, c'est pas ça. Mais c'est au moins vraiment tout faire pour démontrer l'accusation, pour tout faire pour démontrer comment on appelle l'infraction qu'on lui reproche. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'homme guinéen sera sacré lorsque, quoi qu'il ait commis, il aura droit à une procédure et un procès juste et équitable. L'homme en Guinée qui aura de la valeur, lorsque des détenus ne seront pas privés de liberté pendant des années sans être jugés. L'homme aura de la valeur en Guinée lorsque la liberté sera le principe et la détention l'exception. L'homme aura de la valeur dans notre pays lorsqu'il sera respecté par les forces de l'ordre et par les magistrats parce qu'il est simplement un humain. L'homme aura de la valeur parce que lorsque des CCRFL là-bas ne seront plus renvoyés sur la base d'une présomption de culpabilité. Un homme, c'est d'abord une vie. Un homme, c'est un avenir. C'est des projets. Un homme, c'est une famille. C'est une épouse. Ce sont des enfants. Ce sont des amis. C'est des relations de travail. C'est des salaires. L'homme, c'est aussi des projets réalisés, je le dis. C'est tout ça que le juge brise d'un coup. En renvoyant ou en mettant en détention. Rien qu'à cause de ça, il faut faire attention. Il faut prendre des gants avant d'inculper ou d'accuser quelqu'un. Mais c'est le travail du magistrat. Monsieur le Président, mais bon, je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous, y compris le ministère public, magistrat consciencieux, mais ceux qui ont travaillé là, non, si je parle d'eux. Heureusement que votre génération nous montre le contraire. Et je vous prie de continuer sur ça. Ida Wells, l'américaine, grande militante des droits de l'homme, disait « Black life matters ». La vie de chaque noir compte. Et je vous dis que la vie de CC Raphaël Haba compte. Cécé, malgré tout, n'est pas découragé. C'est pas un homme qui peut être abattu. Quelqu'un d'autre peut-être se serait suicidé avec tout ça. Mais Cécé Raphaël, il a cette parole du psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. C'est un pasteur. Il a les paroles du réconfort.
Je vous parle d'un homme, c'est ce Raphaël là-bas. Mais je pourrais aussi vous parler d'une grande dame. Tous les matins que Dieu fait, de bonne heure, très tôt, alors que beaucoup sont encore endormis, une brave dame se réveille et travaille dur pour avoir de l'argent. De l'argent qu'elle n'utilise pas pour elle-même, mais pour nourrir son mari en prison. Elle se lève, rassemble des feuilles de patates et se rend au marché de Madina pour les vendre. Après avoir vendu ses feuilles, elle revient à la maison et avec l'argent de la vente, elle achète des condiments et prépare le repas de son mari. Elle le fait chaque jour depuis 14 ans. J'ai nommé Madame Haba Neseni Lama. Une brave dame courageuse qui fait la fierté de son époux. Cette dame est valeureuse, car on a tout fait pour la décourager, pour la séparer de son mari. On lui a dit que c'est un traître. On a dit qu'il est paria, que personne ne devrait le fréquenter. Il a trahi et puis il était au stade du 28 septembre. Et puis il a fait ceci, il a fait cela. On a menacé cette dame. On l'a injuriée. On se moque d'elle. On fait tout pour qu'elle se sépare, qu'elle reparte au village avec ses parents, sa famille, et qu'elle quitte ce vaurien de cesser. C'est ça. Eh bien, tenez-vous bien, Madame Seni Lama, Madame Haba, est demeurée d'une fidélité remarquable à son époux. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Alors qu'elle pouvait quitter son mari, et puis d'abord il n'est pas là, et puis on ne sait pas quand il va sortir. Et puis c'est ses parents qui lui demandent de quitter, c'est sa communauté qui lui demande de quitter, c'est ses amis qui lui demandent d'abandonner son mari. Et elle peut retourner au village, se remarier tout simplement. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Je vais vous le dire. Parce que plus que tous, elle a vu son mari à ses côtés le 28 septembre. Personne ne peut lui dire que c'était au stade. Elle l'a vu, il était là, à la clinique. Alors, quand vous avez un mari qui vous aime tant, qui pense à vous, lorsque vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas l'abandonner. Quand il montre qu'il est à vos côtés, dans les moments les plus difficiles, il va, il vient. À la clinique, même à la maison. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Ce n'est pas possible. Et ça, ça ne s'oublie pas. Quand un homme vous aime de cette façon, Monsieur le Président, eh bien, toute femme est prête à se sacrifier pour lui. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais elle l'attend. Elle l'attend. J'espère que cette attente, ce sera jusqu'à votre délibéré. Les hommes comme Cécile Raphaël Haba sont rares. Et elle sait, cette dame qui a erreur judiciaire par rapport à la décision de renvoi, mais malgré tout, elle prend son mal en patience. Et cette injustice lui pèse et elle en souffre, mais en même temps, cela lui donne un courage surnaturel. Un courage de femme battante. On parle souvent des femmes battantes, on salue les femmes qui ont des postes élevés dans l'administration, des femmes politiques, mais dans l'ombre, en toute humilité, voilà une grande dame, une dame exceptionnelle, sa fidélité extraordinaire a donc un sens. Elle applique cette parole de Ruth, personnage biblique qui dit « Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. » C'est ça, c'est cette parole qu'elle fait sienne. Et son histoire mérite d'être racontée à toutes les femmes de Guinée, à toutes les filles de Guinée. Madame, Monsieur le Président, avec votre permission, je le dis, Madame Haba Seni Lama, je vous salue. Par contre, vous savez, Monsieur le Président, l'erreur judiciaire nuit à la bonne administration de la justice, puisqu'elle amoindrit
La confiance de la société envers l'appareil judiciaire. La machine judiciaire est effrayante, comme je l'ai dit, lorsqu'elle est aux mains de juges liberticides. Le juge d'instruction participe à la vérité judiciaire. C'est lui qui qualifie. Vous n'avez qu'une matière première, c'est-à-dire que vous avez le dossier de l'instruction, mais ce doit être un dossier fourni, parce que le juge a le temps d'instruire. C'est un laps de temps. Et les choses vont vite. Mais le juge d'instruction, lui, doit faire un travail sérieux. Un grand auteur disait que le juge d'instruction ne doit pas former trop tôt son intime conviction. Parce que lorsqu'il est convaincu, déjà, très tôt, il n'aperçoit pas ce qui va à l'encontre de cette conviction. Et c'est vrai. Il faut se départir des certitudes en justice, des vérités toutes faites. Il faut douter, douter et encore douter. Le doute vous pousse à poser des questions. Le doute vous pousse à en chercher les réponses. Le doute vous pousse à vérifier, à enquêter et certainement à trouver. Hélène Garens disait, c'est en travaillant ces doutes que l'on déconstruit ces certitudes. Ariane Angeloglou, aussi dans son ouvrage « L'horizon de l'autre », le doute, c'est allumer une bougie pour éclairer sa pensée. Alors, je ne reviendrai pas sur certaines choses qui ont été dites pendant le débat en disant que Toumba et Cécile Raphaël Abba se sont concertés pour que Toumba vienne disculper Cécile Raphaël Abba. Étant donné que d'ailleurs, quand Cécile parlait, Toumba était à Dakar. Bien. Alors, comme je le disais, à supposer que Cécile était au stade, mais il serait là pour aider Toumba. Lui aussi, on aurait dit qu'il est en train de sauver les leaders. Bon, ça ne gêne pas à Toumba de dire oui, si c'était avec moi, si c'était la vérité. Parce que, au moins, s'il était là-bas, il serait aux côtés de Toumba, en train de protéger Toumba contre les coups qu'il recevait, parce que lui aussi recevait des coups là-bas. Parce qu'on ne voulait pas qu'il protège les leaders. Donc, ou il sauve les leaders. Donc, ceci serait à ses côtés en train de sauver. Et ça, pour un militaire, je pense que c'est plus héroïque que de dire que j'étais à une clinique ou ailleurs. Alors, supprimer 14 ans de liberté, vraiment, pour ce monsieur, ça a été la pire des décisions de l'instruction. Alors, ça a se demandé, mais toutes ces années de bons et loyaux services à son pays, toutes ces années de discipline, à tout point, toutes ces années à aimer son épouse et ses enfants, tous ces moments où il était parfois un héros en sauvant le président, se sont écroulés comme s'il avait vécu pour rien. Tout ça pour ça, comme certains disent. À quoi ça sert d'être fidèle, loyal envers ses supérieurs? À quoi ça sert d'être un bon citoyen, respectueux des lois et de son prochain? Voilà les questions que se pose Cécile Raphaël Abba. Parce que les bandits, au moins, ils gagnent quelque chose. Vous allez dans les maisons, vous dévalisez là-bas, vous prenez de l'argent, bon, vous en profitez, vous faites la prison, mais vous gagnez quelque chose. Mais vous ne faites rien. Vous êtes honnête toute votre vie, vous êtes bien éduqué toute votre vie, vous êtes l'homme le plus discipliné de l'armée, vous êtes l'homme le plus discipliné partout où vous êtes, et puis, bon, vous faites la prison. Ça aussi, ça arrive. Ce qui est sûr, il voulait juste être un bon soldat, il voulait juste être un bon mari, il voulait juste être un bon père, aimant, et il ne demande qu'à accomplir ses devoirs pour son pays, pour son épouse et envers ses enfants. Mais on veut assassiner chez lui la foi, la confiance en l'homme, en l'État, en l'armée, en la justice. On veut empoisonner ses espoirs. Nelson Mandela a subi 26 ans de prison. Son combat se poursuit en détention. S'est poursuivi en détention. Et il fallait tenir, il fallait résister pour ne pas faiblir
devant les tenants de l'apartheid. Mais Nelson Mandela savait ce qu'il attendait. Il savait que quand tu se bats pour cette cause de l'égalité entre les citoyens sud-africains, il savait qu'il pouvait être arrêté, il savait qu'il pouvait être jugé, il savait qu'il même pouvait être tué. Il savait tout ça, torturé peut-être, tout ça. Il a pris le risque, c'est un choix. Ceci n'a pas fait ce choix. Sa vie tranquille, comme un long feu tranquille, voilà. Mais voilà ce qu'on peut avoir. Mais la vie, c'est une leçon aussi. Et comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse l'État de Guinée, depuis son existence, de ne pas assez faire la promotion des droits humains. J'accuse de ne pas, depuis toujours, considérer et faire considérer que l'être humain est sacré. J'accuse l'État de mon pays de ne pas assez faire respecter l'homme, sa liberté, sa dignité. J'accuse la justice de mon pays d'avoir été si défaillante pour aller jusqu'à renvoyer sans motif convaincant César Raphaël Habba et lui faire subir injustement 14 ans de privation de liberté. J'accuse le fonctionnement de notre justice qui permet qu'un homme contre qui on n'a aucun élément de preuve se retrouve séparé de sa famille pendant 14 ans. J'accuse notre système judiciaire qui permet de déposer une personne en prison sur la base de simples déclaration d'une personne qui n'était même pas sur les lieux des infractions. J'accuse la légèreté de notre justice, pour qui la détention semble encore être le principe et la liberté l'exception. J'accuse notre justice d'être inhumaine. Oui, je l'accuse d'avoir traité CC Raphaël Habba comme moins qu'un humain, ce que je sais. C'est que CC Raphaël Habba est innocent. Ce que je dis, c'est que CC Raphaël Habba est innocent. Ce sur quoi j'insiste, c'est que CC Raphaël Habba est innocent. Ce qui transparaît comme une évidence, comme une logique, comme une vérité, est que CC Raphaël Habba est innocent. Ce qui transpire de l'institution, des débats aux audiences, c'est que CC Raphaël Habba est innocent. Autant il a été interdit de tenir le meeting, autant CC Raphaël Habba a obtenu la permission de s'absenter. Autant les forces vives ont convergé vers le stade du 28 septembre, la matinée du lundi 28 septembre, autant CC Raphaël Habba s'est rendu à la clinique du docteur Doumbouya Sizala, Yimbaya Taneri, secteur 4. Certitude de temps, certitude de lieu. Certitude de temps, certitude de lieu. CC Raphaël Habba est exceptionnel. Non seulement il supporte la prison, mais il distribue l'espoir, l'amour et la bonté aux autres détenus. Un des accusés aussi, ici, vous a dit à la barre que sans CC Raphaël Habba, il n'aurait pas tenu en prison. Tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre est contraire aux valeurs de CC Raphaël Habba.